Chauffe-eau électrique, comment choisir la bonne température? Lorsqu'il s'agit de régler la température de l'eau dans un chauffe-eau électrique, trouver le juste milieu peut sembler délicat. Cet article explore en détail l'importance de maintenir une température idéale, les avantages d'une gestion optimale et les risques liés à des températures inappropriées. En comprenant ces éléments, vous pourrez non seulement améliorer l'efficacité énergétique de votre foyer, mais aussi garantir la sécurité et le confort de votre famille. La température de l'eau dans un chauffe-eau électrique est un sujet souvent débattu parmi les propriétaires. Les recommandations varient, mais la plupart des experts s'accordent sur une fourchette idéale, qui assure à la fois sécurité et efficacité. Cet équilibre est crucial, non seulement pour le confort personnel, mais aussi pour des raisons de santé publique et d'efficacité énergétique. La température idéale. La température recommandée par la majorité des spécialistes et organismes de santé se situe autour de 60 degrés Celsius ou 140 degrés Fahrenheit. Ce niveau est considéré comme optimal, pour plusieurs raisons. Premièrement, la sécurité sanitaire. À 60 degrés Celsius, la majorité des bactéries dangereuses, notamment la légionelle responsable de la légionellose, sont éliminées. Deuxièmement, le confort. Bien que l'eau à cette température soit trop chaude pour une utilisation directe, elle peut être facilement mélangée avec de l'eau froide pour atteindre une température confortable pour le bain ou la douche. Troisièmement, l'efficacité énergétique. Maintenir l'eau à une température stable évite les pertes énergétiques inutiles. Avantages d'une gestion optimale de la température. Réduction des risques sanitaires. En éliminant les bactéries nocives, on diminue le risque de maladies liées à l'eau. Économie d'énergie. Une température bien réglée permet de réduire la consommation énergétique, puisque le chauffe-eau n'a pas à surcompenser, pour maintenir l'eau à une température inutilement élevée. Durabilité de l'appareil. Un réglage optimal peut prolonger la durée de vie du chauffe-eau en évitant les stress thermiques excessifs sur les composants. Contrôle de la température. Vérifiez régulièrement la température de l'eau chaude, utilisez un thermomètre pour vous assurer que votre chauffe-eau est réglé correctement. La gestion optimale de la température dans un chauffe-eau électrique représente un équilibre délicat entre sécurité, confort et efficacité énergétique. En maintenant l'eau à environ 60 degrés Celsius, vous pouvez réduire le risque de prolifération bactérienne, garantir un confort d'usage et optimiser votre consommation d'énergie. Les risques liés à des températures inadéquates, qu'elles soient trop élevées ou trop basses, soulignent l'importance d'une gestion attentive et informée de votre système de chauffage de l'eau. En adoptant une approche proactive, incluant une maintenance régulière et l'utilisation judicieuse de technologies modernes, vous pouvez non seulement prolonger la durée de vie de votre équipement, mais aussi réaliser des économies significatives sur vos factures énergétiques. L'objectif ultime est d'assurer que votre système de chauffage de l'eau fonctionne de manière sûre, efficace et durable. Vous trouverez sur le blog bâtir-sa-maison.net cet article écrit et illustré, avec tous les liens concernant le matériel. N'hésitez pas à visiter notre site bâtir-sa-maison.net ainsi que de vous abonner à notre chaîne YouTube.